à Misédiste et bienvenue sur la chaîne de la boîte à Z. Aujourd'hui, je vais vous faire un unboxing, non, je vais vous faire même deux unboxings, donc sur une série de wagons qui est au catalogue 2020-2021, donc une nouveauté. Ça sera ces wagons-ci. Et, bon, je n'ai pas le catalogue, ça sera sur une loco américaine, comme celle-ci. Donc c'est une série unique qui a été faite dans les années 2012. C'est une GG1. En fait, c'est une 4664. Donc on va commencer par la loco. Donc la loco, c'est la référence, si on arrive à voir. Est-ce qu'il va bien zoomer l'appareil? Alors j'ai du mal. Voilà, c'est la 88492. Alors, dans la boîte, vous avez comme à son habitude la petite machine. Bon, par contre, il y a beaucoup de roues. C'est très dur à sortir. Vous avez deux pantographes. C'est une petite électrique. Enfin, non, c'est une électrique lourde. Dedans, vous avez comme à son habitude, hop, les protections et la notice. Ici, hop, non, même pas, j'ai même pas la notice. Ah si, elle était cachée juste en dessous. En fait, ça, c'est le certificat de garantie qui n'est plus valide depuis longtemps. Et la voilà. Donc en fait, c'est vraiment une loco toute neuve qui a attendu un peu moins de 10 ans. Chez mon marchand, jusqu'à temps que je l'achète. Donc alors, dessus, vous avez à faire à ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez l'entretien. Donc c'est vraiment une vieille loco, hein. C'est pas des moteurs sans fer. Par contre, c'est un moteur 5 pôles. Je ne sais pas s'il va être marqué dessus. Vous avez ce qu'il faut faire. Là, vous voyez, au bout de 40 heures, c'est pas 20 heures, c'est 40 heures de fonctionnement. Vous graissez parcimonie. Vous nettoyez aussi les roues, les axes. Ils vous montrent comment faire si vous avez un décor avec des pantographes. Moi, j'en ai pas. De toute façon, je trouve ça très contraignant. Mais vous avez l'installation. En fait, vous avez, par exemple, sur un rail, vous avez un plus. Et sur le pantographe, vous avez le moins. Et le courant passe à travers la machine. Et ça fonctionne. Mais vous pouvez la faire fonctionner. Bien sûr, avec le plus et le moins qui seront directement sur les rails. Donc le schéma de principe. Et ensuite, donc vous voyez comment changer les charbons avec la référence ici. Et vous avez la notice de pouvoir comment démonter tout ceci. Donc la machine, la voilà. Très belle machine. Hop. Vous voyez, une petite Pennsylvania. Donc comme je disais, c'est une série unique. Hop. Donc elle est en plastique. Donc du coup, comme je vous ai dit, c'est une GG01. C'est une série GG01 de la Pennsylvania Roy Ride. Donc la disposition des essieux, pourquoi 4, 6, 6, 4, parce qu'en fait vous en avez 4, vous en avez 6, ici, j'ai du mal à zoomer, hop, voilà, vous en avez ici 6, et là ici 4. Alors, donc le corps est en métal, bon les essieux sont en plastique. Donc elle pourra prendre des courbes assez fortes, ça c'est bien. Et la coque par contre, tout en plastique. Donc c'était une petite loco, enfin c'est une grosse loco lourde, pouvant tracter pas mal de wagons dans les années 70. Donc je pense qu'elle n'est plus en production, hein, c'était vraiment comme ils disent une série unique. Et la finition est superbe. Donc vous avez, pareil, elle s'allume.
ici sur les petites diodes et ici. Bon, je vais pas l'ouvrir, on verra bien. Celle-là, je la connais pas. Je vais pas vous montrer les entrailles de la machine. On va passer au wagon. Et le wagon, là maintenant, vous avez la nouveauté qui est ici. Donc vous voyez, c'est vraiment la nouveauté, hein, puisque ça, c'est les anciennes boîtes hein, pour les 40 ans du mini club. Et là, la nouveauté, c'est celle-ci. Et là, dedans, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 wagons américains. Donc vous avez celui-ci, qui est magnifique. En plastique, bien détaillé. En fait, c'est la même série que je vous ai présentée sur une vidéo précédente, mais à part que les livrées sont différentes. Vous avez celle-ci. Vous avez aussi celle-ci qui est super chouette. Moi, j'aime bien les tankers. Ils sont vraiment beaux. Vous voyez? Et puis les deux petits derniers, deux wagons plats. Alors vous voyez, c'est les mêmes. On va ouvrir celui-là. Je me demande s'ils ont mis quelque chose dedans, mais ça m'étonnerait. Vous voyez, il n'y a rien du tout. Mais les voici. Oh, ils sont un beau petit coffret. Après, en espérant que quand vous avez des coffrets comme ceci, si vous ne vous dépêchez pas de l'acheter, vous risquez de les avoir en séparé à 30 euros pièce sur d'autres magasins de vente d'occasion. Ce qui est bien dommage. Bon, la petite présentation de mes wagons et locaux américaines touche à sa fin. Je vais le faire aller sur mon décor et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. Sailing right into those jagged cliffs, yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Simple equation, but an enclosed system. Natural world gone missing. Plus all our CO2 emissions equals degradation. Wastes and shifts and mass extinctions. Oh no. But maybe we can change. We sure can't stay the same. Cause life's a foolish, foolish game. A foolish, foolish game. Ba-da-da-ba. Ba-da-da-ba. Ba-da-da-ba-ba-ba-ba.
Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change and turn the ship another way. Take less than we've been given if we move in that direction. We'll find our place in this living chain. We're quite the same. Yeah, life's a foolish, foolish game. Life's a foolish game. Hey, life's a foolish game. Life's a foolish game.